Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 14. Allez, c'est parti! Voici donc les parties de pièces que nous avons pour ce numéro 14. Donc, qui va consister à finir le doigt que nous avions fait au numéro 13 et commencer cette partie de l'avant-bras. Voilà. Donc rien de très compliqué à faire. Ça devrait très bien se passer. Et voici les images du final. On va passer aux pièces. Donc voici ces pièces. Nous avons trois tubes. Ils sont en plastique. Donc, deux tubes similaires, comme ceci. Vous voyez? Et un troisième, un peu plus gros. Voilà. La deuxième partie du doigt. Le petit sachet pour les jointures et la fixation. Trois tubes qui vont venir en fait ici et le sachet de vis que voici. Allez, commençons tout de suite pour l'étape 1 de ce numéro 14. On vient prendre un petit tube ferraille, voilà, que nous venons placer ici, et ensuite ce cylindre vient rentrer, donc il rentre pas jusqu'au bout, il vient juste ici, et on prend une vis qui sont très très longues, comme vous pouvez le voir. On vient la rentrer à l'intérieur du tube plastique et on vient ça. Serrer. Ah, je vais pas la choper. Comment ça se fait? Voilà. Voilà. Et on vient serrer à fond. Donc visiblement ça doit bouger. Voilà. On fait pareil. Donc à l'autre extrémité, le tube acier, la vis. On prépare le tournevis. Et fois-ci, j'essaie de venir visser carrément. Non, ça va pas. On oublie cette technique. On va la faire comme on a fait sur le premier. Voilà. Voilà. Est-ce que ça donne? Ça fait bizarre de ça bouge comme ça. Oui.
visiblement. C'est normal, c'est comme ça. Ensuite, le dernier tube, donc le trou qui est ici, pareil que l'autre. On met le tube acier, la vis, et on vient serrer le tout comme ceci. Voilà, ça bloque, on arrête là. Voici. Oups. Voilà, voilà ce que ça donne. Passons à la suite. Voici notre doigt. Donc ça, c'était la partie que nous avions fait au numéro 13. Donc, hop, on va commencer l'assemblage. Voici la vis dedans. J'aime beaucoup ce mode. Ah, par contre. Bon. Prendre les rondelles, c'est pas évident. C'est tellement fine. Voilà. Alors, je rajoute un coup de colle ici. Je me suis aperçu que ça tenait encore mieux. Voilà. Donc, hop. Hop. Et hop. Beaucoup de hop, ça. Voici. Voilà. On commence l'opération. De ce côté-là. Voilà, hop, les deux petites rondelles. Hop, la pointe de colle à l'intérieur de la fixation de jointure, la vis. Et on vient serrer. Voilà, comme ceci. En place. Voilà. Et ensuite, on vient récupérer notre main pour venir placer le doigt sur cette main. Voilà. Je rappelle que pour cette partie, il ne faut pas trop
la lisser. Laisser un petit jeu. Hop, on la met dedans. Et sans rondelles. Voilà. Il fait tellement chaud que la colle sèche très vite. Voilà. Et non. Et un peu comme un bourrin là. Allez, tout doucement, délicatement. Voilà. Voilà, si. Un petit tirage encore. Voilà. Ah, on m'en a clé. Voici donc cette main qui commence à prendre forme. Et voici notre montage du numéro 14. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Le pouce, l'abonnement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. I'll be back.